Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Produit V, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel, comme tenu. Aujourd'hui on se trouve pour la deuxième partie de des présentations de Pokémon Soleil and Moon. Et je suis pas tout seul, toujours, je suis accompagné de... Hey Tillman, eh bien salut à tous les amis. Voilà, donc on est là, nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter la mort de Jean-Sébastien. Et la sortie surtout de Pokémon Soleil et Lune le 23 novembre, voilà. Donc on présente les versions, les Pokémon de chaque version, parce qu'il faut pas rêver, voilà. Donc voilà, donc on commence en force avec un Pokémon beau, Rattata d'Alola, hein, je pense qu'on est d'accord. Donc qui est de type ténèbres et normal, talent gloutonnerie, agitation, voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce Pokémon. Je tiens à préciser, pour la partie 2, parce que la partie 1 s'est passée sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Voilà, exactement, voilà, donc maintenant présente-nous l'autre. Baroque, forme diurne, Pokémon loup, petit proche, regard vif, baigne sable. Voilà, donc moi je pense que ce Pokémon est le plus stylé de la génération, voilà, moi je le trouve pas trop mal. Voilà, après chacun son... L'autre, il préfère celui que j'ai en face de mes yeux, mais bon... Après chacun son petit truc, quoi. Bon, toi, moi, je l'aurais dans mon équipe, toi, du coup, non. Mais bon, voilà. Donc, maintenant, on passe à Lugarok, forme de merde. Nocturne, j'ai mal lu. Pokémon, loup, type roche. Talent, regard vif, esprit vital. Bon, on passe au prochain. Ok. Non, franchement, j'aime pas celui-là. Ratatak d'Alola, je n'aime pas. Moi non plus, parce que je trouve qu'il a... Il a pris des joues. C'est vrai, normal, il avait déjà des joues, en fait. Mais il en a pris encore plus. Non, mais c'est dingue que ce que Nintendo, ils sont dit... Bon, alors, Persien, on va lui faire prendre une grosse tête. Et il ratatac des grosses joues. Allez, on fait ça. Parti, à du G vendu. Tu vois. Et on va allonger le coup de noix de coco, ça va être génial. Allez, gloutonnerie... Ah non, tout, retourne pas à l'inverse. Ils ont rétréci le coup de noix de coco pour les autres versions. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'ils disent, mais moi, je pense que, vu que c'est la première G, ils ont trouvé ça comme argument, tu sais, mais en fait, non. Moi, je pense que les Pokémon normal. Bon, en fait, si vous connaissez pas l'histoire, on vous la raconte peut-être dans une... Ou alors, peut-être à la fin de la vidéo. Peut-être dans une vidéo théorie sur ma chaîne. Ouais. Peut-être, je sais pas, parce que peut-être que j'aurai pas le temps en jouant à Soleil. Ténèbres, gloutonnerie et agitation. Alors maintenant, on passe à un Pokémon qui m'attire. Non. C'est qui a dit parfait là? Oh! Non, c'est ma mère, excuse-moi, elle est juste venue parce que en fait, j'ai fait ça, m'a dit de faire. Bon, ok. Donc, on passe à un Pokémon qui m'attire, oui, qui m'attire. Aussi bien que dans le jeu, qu'aussi bien sexuellement. Je pense bien sûr de Quatermain, qui a une autre coco sur la tête et une autre coco dans sa main. Qui est un Pokémon de coopération, de type combat et un talent receveur. Ouais, c'est ça. Qui est pas mal du tout. Et là, on passe au deuxième, le plus grand. Pardon, excuse-moi, désolé, c'est sorti tout seul. Je peux revenir, non, je vais d'abord se dire, puis après, je vais revenir. Pardon, deux secondes. Pokémon grand sage, normal et petit, et attention, télopathe, je reviens tout de suite. Pardon. Excusez-le, il est un petit peu malade, hein, si c'est le gourou Tang qui fait ça, hein. Bon, alors du coup, on change des Pokémon et on passe à un beau. Oui. Je dis oui. C'est la main noire. Voilà. Meilleure imitation. C'est à toi, hein, en fait. Ah non, c'est à moi, merde. Non, mais laisse tomber, j'ai fumé, moi. J'ai fumé 12 clopes avant. Et on passe à Candine, Pokémon fruit type plante. Talent feuille, garde et pené, voilà. Moi, je l'aime bien. Après, voilà, je sais pas si toi, tu l'aimes bien. Ouais, j'aime bien. Et on passe à Sucrèze. Oui. Talent, feu garde, prestance royale et... Moi j'aime. Pouce en l'air. À toi. Ah merde, putain, j'ai oublié de passer le Pokémon. Vas-y, passe, vas-y. C'est qui? On passe à un tas de mordales, là. Un Pokémon dégueu de type poison ténèbres, je sais pas pourquoi. Et qui a le talent Toxitouche et le talent Gloutonnerie. Donc je pense que Toxitouche, ça fait que quand il fait une attaque physique, ça empoisonne l'ennemi. Voilà. Simple. Bah en fait, on l'a vomi une fois, et puis il s'est formé avec des cailloux, et voilà, c'est ça. En fait, je représente pas parce qu'on a, on passe parce qu'en fait il a les mêmes trucs. Ensuite, c'est Sachanobi, donc que tout le monde connaît, donc on peut passer celui-là.
Donc on passe à Sylvailler, qui est de type normal. Normal, on sait pas en fait. Qui est un peu un multigénome et le talent système alpha. Voilà. Ouais. Donc on passe à Ekaïd, Pokémon Ekaïd, Dragon et Combat, Parabal, Antibruit. Antibruit, ouais, ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Donc maintenant, du coup, on passe à Ekaizer, Pokémon Ekaï, le type dragon combat, talent par balle, anti-bruit, et voilà. Et franchement, je l'ai dans mon équipe, très clairement, on est d'accord. Bombelle, évolution de Bombidou, Bombile, Cherche-Miel, Écran Poudre, et Insecte-Feu. Ah, effet, pardon, j'ai entendu Insecte-Feu, j'ai fait, oula. Donc on passe à Nounourson, Pokémon gigoteur, de type normal et combat. Donc il y a le talent boule de poil et maladresse, voilà, j'aime bien. Et nous sommes à Dentifrice, catégorie Pokémon de type grince de dents, eau et pluie, et le talent corps coloré et prognat. Ouais, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Donc du coup, maintenant, on passe à Bombidou, qui est un Pokémon de type insecte fée. Pokémon Bombile, talent cherche-miel, écran poudre, cherche-miel c'est, on va pas dire que c'est bien, mais on va dire que c'est, on va même pas dire que c'est pas mal, on va dire que c'est, voilà, que c'est une capacité combinante quoi. Asso, Pokémon hiver, normal et vol, talent rosardite et multi-fort. Alors on connaît ses évolutions, voilà, donc n'hésitez pas à aller les checker vite fait, il a deux évolutions, qui sont pas trop mal franchement. Alors, on passe à Manglouton, évolution d'Argouste, Pokémon Patrouille, normal, type normal, talent filature et proganante. Prognate, je sais pas. Prognate, je crois que c'est dit, ouais. Maintenant, on passe à un Pokémon que tu veux dans ton équipe. Pokémon nonchalant, normal et dragon, et dracolaire, herbivore. Ouais, c'est ça, donc c'est, tu le veux dans ton équipe, on a dit, hein, on était d'accord. Pokémon méga stylé de la mort de toute la région, de tous les Pokémon du monde. On passe à Solgaleo, de type psy et acier. Donc le type acier est mon type de prédilection. Type psy acier comme Metalos. Donc Metalos, pareil, mon Pokémon de prédilection, mon Pokémon préféré d'ailleurs. Pokémon Halo Solaire, talent Metalogard. Voilà, donc c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie très fortement. Pokémon éculaire, électrique et Créa Elec, donc Pokémon déjà petit du coup, stylé, voilà. Maintenant on passe à un Pokémon non légendaire qui est Magearna. Pokémon artificiel, type acier fait. Ouais, pour le coup lui je l'aime pas du tout même si il est type acier. Et talent animateur. Ok, Togedamaru. Oui j'aime bien. Pokémon Rolandoule. Électrique acier, écume de fer et paratonnerre. J'aime beaucoup les types acier, donc je l'aime beaucoup. On passe à Larvibule, Pokémon larve de type insecte, talent essaim, et voilà. Et à Lunala, Halo Lunaire. Il est nul. Talent, ta gueule. Il est moche. Type spectre. Mais arrêtez de dire ouh là, il est pas mal. Enfin, il est pas mal, on va dire. On passe à Tritox, que je veux dans mon équipe parce qu'il a son évolution, elle est trop bien. Pokémon Toxi Lézard de Poison Feu, talent Corrosion, voilà. Donc allez le voir sur internet, il en a une. Ouais, évolution, vous tapez évolution de. J'ai oublié son nom déjà, Tritox, voilà. Bon, ça, on passe, ouais, parce que merde. Il pue la merde, Solgaleo. Mais Dylan, c'est toi, c'est bon, oh, il est pas. Il est bon. Voilà, on passe, c'est nul. Et on passe à plus à. Non, on passe, c'est Zygarde, hein, tous. Ouais, Zygarde, forme 10%. De toute façon, c'est les seuls, après on a fini, hein. Ah bon? Ouais. Bah, t'as Zygarde, forme 30. T'as Zygarde, forme 10%, forme 50, et forme finale. Parfait. Ouais. On a fini. Ouais. Voilà. Mais c'est à toi de dire Zygarde, forme 10%. Donc, moi, je suis petit. Tu as déjà dit, vas-y, avant 10%. Bon.
S'il y a 20 000 pour ça, un Pokémon de type de Pokémon équilibre, de type Dragon Sol, et voilà. Moi, ouais, on les présente pas, les garçons. Bah, après, on a fini, de toute façon. Bah oui, mais c'est bon. Bah, j'ai pas envie de faire, moi. Attends, on est à 10 minutes, à peine, hein. Maintenant, Sigarde forme 50%, donc le plusieurs qu'on connaît, les légendaires dans XY. Pokémon équilibre de type Dragon Sol, aura inversé rassemblement. Et ensuite, on a Sigarde forme parfaite, que lui j'apprécie très fortement. Pokémon équilibre de type Dragon Sol, et talent rassemblement. Et après, on a fini. Donc écoutez, les amis, je vais vous présenter vite fait les évolutions de ce qu'on a dit là tout à l'heure là. Si en français on le connaît, mais en français on le connaît si. Attends, faut que j'aille voir. Et en fait, en anglais c'est Salamandor. Parce que ça va être commencé par Salamandre en fait. Sala, je sais pas moi. Non, il s'appelle. Ouais, il s'appelle Sala quelque chose, je crois. Il s'appelle Malamandre. Malamandre. Ok, donc voilà. Ensuite, on va passer à l'évolution de. Picasso. Ah oui, alors là par contre j'apprécie très fortement. Donc je cherche et je suis dessus donc. Et après je cherche les formes d'Alola aussi de. Attends, mais je. Bon, attends, je sais pas ce que c'est. Alors, son évolution intermédiaire c'est un petit peu le même mais avec un bec plus long. Ben c'est bon, tu les as là, logiquement tu les as sur le côté. Moi je les ai là. Est-ce que le dernier c'est une espèce de toucan avec un long? Ben c'est multicolore rouge, orange. Ouais. Avec des pattes bleues? Ouais. Ok, c'est bon. Ben voilà, ça c'est les évolutions de Picasso. Maintenant on passe aux formes d'Alola de. Un caillou? Ouais. Donc regardez bien ce putain de stylet. Je les ai là. Voilà. Bon, un peu, à part un petit peu Grolem qui a pris de la barbe et de la moustache, sinon après le reste, c'est pas mal. Et très honnêtement, je pense que Grolem est de type électrique sol. Voilà. Attends, je regarde. Oh ouais, pourquoi ? Moi je pense qu'il est de type électrique sol, très honnêtement. Et ensuite, les évolutions de l'évolution de Tritox, bon, on l'a vu. Maintenant, l'évolution de Spododo. Bon, parce que Racaillou, c'est pas une sorte de Racaillou, une sorte bleue avec un petit caillou dessus. Non, il a des espèces de petites mèches sur son crâne. Mais en forme de caillou, non? Pas trop, non. Mais Grolem, il a une espèce de gros pile, enfin une espèce de grosse pile sur le dos. Genre un petit peu comme Lucanon. Un petit bloc au milieu avec des sourcils un peu allongés et une petite moustache et une petite barbe. Ouais. Et après Gravalanche, il a des trucs sur les côtés, des pierres un peu et sur les bras aussi. Ouais, ouais. Des petits morceaux là. Ok, j'ai vu. Attends, l'évolution de Spododo. Attends. Qui est lui, voilà. Qui est, je crois que. Il s'appelle. Mais je l'ai vu tout à l'heure, ça m'énerve. Il s'appelle. Je m'en souviens plus non plus. Ah oui, maintenant on passe à une évolution méga badass. C'est pas une sorte de champignon? Si, je crois que c'était l'impignon, voilà, c'est ça. Attends, c'est un champignon avec rose, avec. Et maintenant l'évolution de qui? Qui je pensais tout à l'heure? Merde, j'ai oublié. L'évolution de qui? À l'évolution de. Ah, il y en a un autre qui évolue. Sauf Kipou. Regardez-moi cette badassitude. Sans déconner, je pense qu'on va te laisser sur cette image de badassitude, les amis. Regardez-moi un petit peu ça. Est-ce que c'est pas badass? Sans déconner. En plus, il y a des espèces de lunettes de soleil. Est-ce que c'est une sorte de gros crabe levé?
Ouais, avec des plus grosses pinces que d'autres. De gros trucs, de grosses sortes de Est-ce qu'il pinces. a des espèces de lunettes de soleil? En fait, il a la même tête que ces petits bouts. Oui. Oui, ben c'est bon, on est sur ça. Et tout pour dire, au bout, tu n'es pas tes cahiers. Ouais, ben c'est la première image, de toute façon. Ouais, c'est ça, on est d'accord. En tout cas, les amis, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like. Allez sur la chaîne de Fateman. Moi, je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine. C'était Produit UV. Bye bye.